Salut tout le monde, c'est Aurelius Games. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la bêta de Tom Clancy's The Division 2, la bêta privée de Tom Clancy's The Division 2, parce que j'ai précommandé le jeu sur le store, donc je peux faire la démo déjà depuis hier, mais le téléchargement a été un peu long et c'est fini seulement cet après-midi. Donc ce soir là, j'ai décidé de faire une vidéo. Même plusieurs vidéos sur le jeu. Nous sommes ravis d'offrir aux joueurs un avant-goût du jeu et avant hâte de connaître votre mignon. Dans la mesure où l'objectif principal, c'est de tester le jeu, le matériel, la structure, nous aimerions aussi recevoir vos commentaires sur tout ce que vous allez découvrir en jouant. La bêta comprend une petite partie du jeu, incluant la base d'opération, les deux premières missions principales. Plusieurs missions annexes, un refuge, le mode JCJ, escarmouche et l'une des trois Dark Zones. Vous pourrez créer un personnage et le faire progresser jusqu'au niveau 7. Gardez à l'esprit le fait que la création de personnages est aléatoire durant la bêta et que dans la version finale du jeu, vous pourrez créer et personnaliser votre personnage. De toute façon, la progression ce qu'on va faire là, ça va pas être sauvegardé pour la version finale du jeu, de toute façon, je pense. Aucune limite de s'appliquer en temps de jeu, profiter de ses contenus autant que possible durant toute la durée de la bêta. Expérimentez avec tout ce que nous avons préparé et faites-nous part de vos commentaires sur la page. Hein? Pensez à essayer notre mode photo pour effectuer des captures d'écran, utiliser les tickers et les réseaux sociaux. Amusez au bien un jour, mais tout le monde chez Tom d'ici. Je vais rencontrer certains bugs et problèmes d'accès au serveur durant la bêta privée. Voyant du statut prénoncement du jeu, Ubisoft ne sera pas en mesure d'assurer le service d'assistance tout le long de la bêta privée. Bon, bah on verra. J'espère que ça va être bon, parce qu'avec ma connexion qui est pas de fibre optique, j'espère que ça va passer. Donc c'était pas prévu cette vidéo, mais bon voilà, j'avais dit pas mal de que je ferais des vidéos, mais donc voilà, il y aura certainement aussi donc là au moins deux vidéos sur la bêta de privée de Tom Clancy's de Division 2. Oh là, ça a pas marché là. Qu'est-ce que c'est que ça? Si. Parce que. Voilà. Mais quoi? Ça, ça va être un moment avant de rentrer dedans, à mon avis. Hein.
Ouais, non, le premier The Division était pas mal, j'avais pas mal joué quand même. J'étais pas allé jusqu'au bout, hein. J'étais arrivé au niveau 24, je crois, un truc comme ça. J'étais pas allé au bout, j'avais pas tout fait parce que après il y avait d'autres jeux qui sortaient, mais j'avais plutôt bien aimé quand même. Bon, c'était mieux de jouer en coop. Là, a priori, il paraît que c'est encore mieux de jouer en coop, mais tu peux plus jouer en solo que dans le premier. Ça veut dire que si tu joues en solo, l'expérience est meilleure que dans le premier. Ça gâche pas le jeu. Enfin, tu peux jouer plus en solo. Mais après, c'est conseillé quand même de jouer en coop. Bien évidemment. Bah, tu peux jouer en solo, mais de jouer quand même pas mal en coop. Bon. Bah ouais, là, on peut rien changer en fait. Juste choisir si on peut pas changer la rien, elle a pas la, ni la tête, ni juste choisir si on choisit un personnage masculin ou féminin, quoi, c'est tout. Bon, c'est pas un problème. We took Si ça a été things for dit, granted. quand il y aura le We jeu, expected coffee in the on morning. pourra personnaliser son We perso expected free Wi-Fi. au début, la création de When those were personnage. taken from us, we survived. When communications broke down, the trains stopped and the internet went dark, we survived. But when the pharmacies were looted and hospitals shut down, asthma became lethal. And with no police to protect you, did you own a gun? Did your neighbor? Some survived. We are a resilient species. When our society collapsed, we found ways to go on. And now, for the first time in centuries, what we want is also truly what we need. In the face of disaster, we helped each other. We built new communities in the ruins of the old. We adapted. We survived. Established a new normal. But there are also those who build nothing, create nothing. Hyenas preying on the weak. They've made our world bleed. But we don't stand alone. A brave few have sworn to protect us and save what remains. They unite us. Remind us that we are one people. They are our shield and our light. But if that light goes out, who can save us then? Our southern perimeter. We are in need of immediate assistance. Repeat, need immediate assistance from any nearby agents. Ouais. On est sur PS4 Pro, hein, à noter là. Le jeu est beau, hein, sur PS4 Pro là, déjà pour une bêta. C'est pas mal, hein, je trouve.
Et le Washington, comme il est là, va peut-être être mieux que le. Ah! Je crois que là déjà il y a de l'action. Hein. Pas mal la jouabilité là au niveau de. Ouais, les premiers combats du jeu. Est-ce que j'ai. Non, pas de loot, rien là. J'explore dans les jeux, on sait jamais si on trouve du loot. Apparemment, il n'y a rien, mais bon. Pour avoir les commandes là, on sait pas. On va avoir les commandes générales, mais bon. Apparemment. Il y aura des récompenses pour jouer à la bêta privée. Ah oui, il y aura ça aussi. Après il y a des coups, ouais. D'accord, il y a des compétences qu'on peut débloquer. Alors on va avancer parce que bon là. Il faut aller où? Il faut aller là-bas. Pour changer d'arme, on fait comment? Non, non.
Bizarre la jouabilité là. Bon, pour changer de. Ouais, je sais pas. Oh, y a encore des ennemis là. Ouais, visiblement oui. Hein. All government personnel, the White House is under attack. This is not a drill. Repeat, this is not a drill. If you can hear us on this frequency, keep pushing forward and blindside these bastards. Ouais. Ah, là, il y a du loot, non? J'ai l'impression. C'est quoi que j'ai ramassé là? C'est pas clair hein, tout ça là. C'est même pas ce que j'ai ramassé. Il y a les stats là, ouais d'accord. Munitions, matériaux. Monnaie. Ouais là, dégâts de l'arme, enfin tout est. Un peu de trucs RPG en fait, un peu. Beaucoup de statistiques, machin, de, ouais. Comme il y avait dans le 1, mais peut-être encore plus complet dans le 2, et un côté RPG qui est peut-être un peu plus présent. Alors ça, c'est la personnalisation. Il y a des choses qu'on peut. Ah, ça, c'est les. Oui, d'accord. Ouais, bon. Les emotes. Là, voilà, je me suis dit, quand même. Alors, bon, ça, c'est classique avec L2 visée, R2 tirer arme, R1 c'est déploiement, L1 déploiement, c'est de déploiement de compétences ou de
de trucs. Ouais, je vois, je vois. Laissez appuyer sur L analogique, L sprint. Laissez appuyer sur analogique R interaction joueur. Je stick haut, regard haut bas, je stick gauche et droite, regard à gauche et droite. Ouais, déplacement. Le pub est tactile, ouvrir méga carte, menu personnage, option. Triangle, cycle, arme d'appoint, rond, franchir, escalader. Carré, recharger arme. Croise, évitement. C'est quoi c'est évitement? Évitement ou s'abriter. Ça dépend des situations. Ça peut être une esquive, on peut faire une esquive. Voilà, non, ouais. Ou alors s'abriter en fonction. Alors, compte à rebours tactique, touche haut, directionnel haut. Ou alors marquer cible. Utiliser kit protection, touche directionnelle droite. Faire défiler grenade, touche directionnelle gauche. Sélection d'emote, touche directionnelle bas. Et pour changer d'arme, il faut faire comment? Je comprends pas bien, bizarre quand même. Ah oui, changer d'arme. Triangle. C'est que l'arme d'un point. Oui, je vous disais aussi. Je l'avais pas vu parce qu'il y a deux. Et là, quand on fait ça, voilà, on a le fusil, l'autre. Là, c'était le pistolet qu'on avait. On donne un pistolet et un fusil de base. Bien sûr qu'on sera, qui sera changé régulièrement. On en aura plein d'autres qui sont. On améliorera l'équipement au fur et à mesure. Et le niveau, on aura des compétences et tout ça au fur et à mesure. Là, il y a encore des ennemis, je parie. Oh là là. Oh là là, je vais y passer. Ouais, c'est pas évident, hein. Ah, ils sont trop nombreux là. Faire comment? Pas évident, hein. Vraiment pas évident. Ils sont, je sais pas combien. Il y en a un qui est caché là-bas.
Et bah voilà, et bah, j'y suis passé. C'est compliqué, moi, je trouve. Hein. Vraiment, là, ils sont beaucoup et tout. Ah, comment il faut faire, là? Il y a un niveau de difficulté, là, parce que je me mets en facile, moi, hein, si j'arrive pas, là, comme ça. Hein. Il n'y a pas de niveau de difficulté, je pense. Problématique, ça. Hein. Oh là là. C'est trop dur. C'est vraiment abusé. Il te contourne et tout. Oh là là. Mais c'est infernal. C'est un enfer ce jeu! Oh non, mais c'est incroyable! Au moment où je voulais me mettre à couvert, oh là là, mais c'est injouable ce jeu là, mais c'est. Il faut faire comment? Ah ouais, non, mais là c'est vraiment très dur. Hein. J'ai toujours eu du mal moi à ce jeu. Dans le premier, je suis barré, je sais pas combien de fois aussi.
pour ça d'ailleurs ça m'avait saoulé à force, j'avais arrêté. Ouais, ça risque d'être un peu pareil, j'ai l'impression, enfin bon. Le jeu, il n'empêche, les jeux sont très bien. Hein. C'est de qualité, mais honnêtement, c'est vraiment hardcore hein, quand même, hein, c'est dur. Hein. Oh, et puis alors. Là... Ça, mais ça n'a rien fait. Avec le temps de rechargement en plus, je te dis même pas. Hein. Ouais, si, j'arrive pas. Une blague hein, ils sont je sais pas combien là, tu vas te débrouiller tout seul Hey, c'est pas fini parce qu'il y en a encore là bas hein, vas-y hein, pas sorti de l'auberge hein. Je pense pas que ça serait si dur que ça hein, pour un début de jeu là, pour un. Il y a un problème. C'est pas de mec dès le début, c'est la première mission. Ils abusent là. Sérieusement. Deux fois que j'utilise une sorte de truc de soin, c'est bien beau, mais je vais mettre là. Okay, je me fais canarder encore de tous les côtés, je sais pas, là je comprends pas bien. C'est affolant. Là, il y en a un là-bas. Un rigolo qui a essayé de me... Oh là là, mais... Allez, hop. Ah, l'autre là qui... Allez. Oh, les gunfights, ils sont vraiment très tactiques, très compliqués. Hein. C'est bon, je les ai tous tués là, cette fois-ci, j'y suis arrivé. Non, c'est un miracle. Ah, c'était pas coton, hein. Bon, au début, ils auraient pu, et pendant qu'ils y sont, ils auraient pu faire encore plus dur.
Oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué ces jeux. Oh là là, mais je te jure, mais à chaque fois. Peut-être qu'ils ajustent un peu le niveau là, parce que. Voilà, quand ils sortent le jeu. Hein. Puis je sais pas, mettre plusieurs niveaux de difficulté aussi. Mettre un niveau facile, normal, difficile par exemple. T'as le nombre d'ennemis qui répondent. Non mais franchement, ils abusent. On est au début du jeu, tu commences, t'es au niveau 1, hein, t'as rien. T'es, mais oh, calme là, sérieux. Maintenant on est dans le refuge, enfin on est dans la base d'opération. Thanks for the help out there. You should check in with Manny, our coordinator, upstairs in the blue room. And come by here if you ever need help with your tech. Je m'applaudis moi-même. les emotes là. Bah il y a du dégât là, il y en a qui sont blessés et tout. Effectivement. This is you. Welcome to DC. I'm Manny. I run comms. I'm guessing the division alert brought you here? Damn glad to see you. Let me show you exactly how screwed we are. Ever since the JTF imploded, the city's become a playground for murderous fuckheads. There are several main factions, and a whole lot of bottom feeders sucking up whatever the big dogs miss. A few civilian settlements are still holding out against all this villainy. They need more help than we've been able to provide, especially since the division network went dark. That's Kelso. She's one of the last surviving agents in DC. She's operating at the theater settlement on a priority mission. You should go check in with her. If anyone knows how to get the systems back online, it's her. Oh, and introduce yourself to the locals while you're at it. It'll comfort them to know there's a new sheriff in town.
By the way, Agent, head downstairs and check in with the quartermaster. He can get you set up with some division tech. You're gonna need the edge. J'ai passé au niveau 2 et débloqué une compétence. Ouais. Puissance santé, puissance techno machin. Cache de maîtrise de terrain, je sais pas. Ouais. J'explore un peu comme ça, je prends le temps. Alors, on va parler à l'intendant. Vous aider à améliorer votre boîte à outils, une double des compétences, match de compétences et bonus. Base d'opération, manque d'effectifs, vous pouvez recruter du personnel pour la Maison Blanche auprès des refuges et débloquer de nouveaux services à la base d'opération. Le réseau SHD est en panne, ce qui complique l'accès au ravitaillement. Menez à bien des missions SHD afin d'améliorer la base d'opération. Everything is priced to move. Les compétences des agents de la division sont basées sur des plateformes de compétences dotées d'un certain nombre de variantes. Il existe en tout 8 plateformes de compétences. Les compétences se débloquent en accomplissant certaines missions principales. Vous pouvez débloquer les plateformes de compétences dans n'importe quel ordre. Choisissez la compétence que vous voulez débloquer en premier. Impulsion. On n'a pas la description des machins là, mais bon. Ouais, la tourelle assaut vise et attaque automatiquement les cibles hostiles. Mais ce compagnon peut être modifié manuel de façon à ce qu'elle cible un ennemi spécifique. Il y en a qui sont disponibles dans la bêta, hein, mais bon. Mais pas tellement chaud, hein. Donc, ou la tourelle ou le drone. Allez, le drone.
Bah, comment on fait pour débloquer? Ouais, ça. C'est ce qui semble le mieux. Hein. Non, sont disponibles dans votre inventaire. Vous pouvez les modifier, vous en équipez qui voulez-vous de votre première compétence en mettant L1 ou R1. Quand vous débloquez une nouvelle plateforme de compétences, vous pouvez débloquer des variantes de compétences afin d'en modifier les fonctionnalités. Récupérer des technologies SHD en jouant les missions Taito SHD en passant des niveaux ou en trouvant leur cache. Puis revenir à la base d'opération pour débloquer les variantes. Les bonus sont des avantages passifs améliorant votre personnage de diverses manières. On acquiert des bonus en utilisant des techno SHD lors de déblocages importants. Certains bonus présentent des niveau d'amélioration. Pour débloquer les niveaux élevés de ces bonus, il faut d'abord en débloquer les niveaux inférieurs. Certains bonus présentent des conditions supplémentaires à remplir pour devenir disponible. Choisissez un bonus afin de bénéficier sur le champ de ses avantages une fois acquis et demeure actif en permanence. Pas mal, ouais. Il y a un vrai côté RPG quand même, là, un vrai côté j'ai encore un point, mais le viseur point rouge, ça peut être pas mal.
The Peter settlement is on to the east. You probably run into some trouble along the way. You'll have to do this block by block, but I'm sure you'll be fine. Ok. Non, on va arrêter donc pour cette vidéo. Voilà, j'ai découvert ce jeu, j'ai pas trop parlé, mais pas mal. Mais par contre, ça a l'air d'être dur. Hein, mais par contre, le côté des compétences et tout ça, inventaire et tout ça, et le côté RPG a l'air d'être un peu mieux que dans le premier The Division. La jouabilité est un peu meilleure aussi. Et ouais, après, apparemment, ça a l'air d'être assez complet, assez riche. Voilà, rien dans la bêta. Ils ont dit que le endgame ils vont l'améliorer aussi et tout, enfin ça sera, et qu'ils vont rajouter beaucoup de contenu tout ça de DLC déjà assez rapidement, pas faire les mêmes erreurs que du premier The Division. Donc ça promet, c'est un jeu qui promet, mais apparaît voilà, faut voir sur la durée. Je vais arrêter donc pour cette vidéo, je ferai une deuxième vidéo donc dans la foulée là je pense, on se retrouve, donc je vous dis à bientôt donc pour de nouvelles vidéos. Donc tout de suite j'enchaîne avec une nouvelle vidéo sur la bêta de The Division 2.